Ok, donc j'espère que vous allez bien ici au Théoré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark Lost Island. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle grotte. Donc, j'ai regardé, donc j'ai farm et tout ça avec les T-Rex qui sont presque full tous. Il y en a, ils sont vraiment incroyables, hein. Il y en a qui arrivent à avoir 100 000 PV, donc c'est peut-être un tout petit pourcentage, hein. Ça doit être peut-être 5, 6. Allez, 7 qui sont comme ça, et les autres ils sont pas encore ils sont qu'à 40 000 et qui vont rester à 40 000, mais bon, c'est pas grave. Ce qui va changer du coup pour le boss, c'est que les macaques, on va dire, les singes, ils n'arrivent pas à toucher les autres singes qui sont en hauteur avec les Cynomacrops. Avec du coup le T-Rex, ça va être peut-être plus simple. On va voir, dans tous les cas, on va tester. Donc prochainement, on va faire toutes les grottes, et aussi j'ai quelques vidéos à faire, comme on va réutiliser l'Amargasaurus. Voilà, et hop, ça charge l'Amargasaurus pour le tester, parce que on l'a déjà testé plein de fois, mais on n'a pas vraiment utilisé, alors que voilà, c'est une nouvelle bête et tout ça. Pareil pour le Sino que j'ai souvent dit que j'allais l'utiliser, sauf que ils sont tellement peu level up que c'est pas intéressant. Donc voilà, cette grotte pour moi est la plus belle, mais je la connais pas du tout. Donc là, je vais galérer un peu. Ok, donc j'ai pris une DPS pour faire des DPS. Voilà. Ici, c'est quoi? Ouais, je crois. Oh! Non! Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, il n'y a pas de dégâts de chute avec les singes. Donc, franchement, si vous jouez sur Lost Island, tamez des singes. Franchement, c'est trop marrant. C'est nouveau, c'est parfait. Enfin, c'est nouveau, ça fait quand même février, allez, 3 mois. Mais ils sont vraiment incroyables. Ils sont assez marrants à utiliser. C'est pas du tout comme les autres dinos. J'aimerais bien en emmener un pour la prochaine série. Donc, enfin, c'est la même série, sauf qu'on va être sur l'autre map qui sera The Island. Donc, j'ai bien envie d'en amener un, mais ça ferait un peu cheat dès le départ. Donc, je pense dès le départ, je vais recommencer à zéro. On va recommencer à zéro et tout ça. On va faire en fait. On va recommencer comme si on était à zéro, sauf que dès que j'aurai mes transmetteurs, donc premier transmetteur ici et l'autre là-bas, bah là je vais pouvoir transmettre du stuff. Parce que sinon, si je peux déjà les transmettre comme ça, c'est un peu cheat. Je préfère, voilà, l'objectif c'est d'avoir les transmetteurs. Et dès que je les aurai, bah là je vais pouvoir les utiliser, enfin me faire des échanges. Alors ici, fallait descendre. Voilà. Donc pour la fin de la série, en gros, sur Genesis 2, ça sera la dernière série, enfin la dernière map. Non. Et du coup, bah, si je pourrais me transmettre ça pour là-bas, puis après me craft des trucs, faire des défis, des petits défis rigolos. Après j'ai fait. Oh! 400, ah dommage, c'est plutôt pas mal. Pour par exemple, je regarde bien, attends. Hop. Ah, je sais pas si c'est vers là. Allez, on va tester. Par exemple, ensuite Arc Cluster. Donc, bon, dès qu'il y aura des nouvelles maps, ça sera sur Arc Cluster. Mais j'ai envie de faire une série nordique, une série Primal Fear, c'est ça? Une série aussi Arc Mode qu'on fait avec des mods et tout ça. Je sais même pas où je vais. C'était par là. Hein. Et l'arc PVP, ça va sûrement pas y être, alors que je l'ai dit plusieurs fois, mais faut du temps. Après, il y a des assez bons serveurs où ça va vite, mais bon. Ah oui, c'est pas. Mais non, oh, je viens de faire le tour.
me rappelle que c'était par là. Mais après, pourquoi pas aller par là? Il me semble que c'était par là quand même. Et oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça va, on est. Putain. On a croisé pratiquement aucune bête. Ah, si, là, il y a des. Des petites libellules. Wow, wow, wow. Eh, c'est gentil, mais. C'est chiant. Voilà. Je crois que c'est bon, hein. Il n'y a pas de bête ni rien. Putain. J'adore ce jeu. Ah, faut passer par un autre côté. Ok, on va faire le tour. Ok, on va passer par là. Par là. Par là. Par là. Là, je suis perdu. Ah non, c'est là. Eh, je me rappelle ici. Il y a, je sais pas, il y a une semaine. Hop. Je voulais. Bah, j'avais test si. Si ça marchait ou pas, et je me rappelle que j'avais sauté ici. Et ici, il y avait plein de bêtes. Mais là, bah, ça respawn, mais il n'y a aucune bête. Waouh. Magnifique. C'est parti, hein. Artefact de puissance. Voilà. Maintenant, faut retrouver la sortie. Ça va pas être gagné. Hein. En tout cas, je sais que c'est par là et ensuite, je crois qu'il faut remonter. Et j'ai déjà trouvé deux, trois artefacts. Enfin, trois loot. Donc je pense que je suis déjà assez bien. Et normalement, si vous n'avez pas le singe, il doit y avoir un autre passage. Hein, parce que là, moi, je passe... À l'arrache. Putain. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres passages. Non. Oui. Oui. Ouais. Oui. Putain, il est chaud. La ponte. Ouais, on va les attaquer. Tellement plaisant là, il m'aurait fallu 2 balles par tête là, par chauve-souris. Et voilà. En 2 griffures, c'est fini. Merveilleux. Tac, on va passer par là, et je crois que c'est bon. Ouais, c'est par là, c'est par là. Voilà. Eh bah, on a déjà fini la grotte. C'était assez facile vu que ça, le spawn était vraiment pas terrible. Mais bon, que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, c'était hauteur. N'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao, ciao.